Bonsoir, je dis tout le monde, et merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans la quatrième sortie téléjournal là pour semaine-là. Mais quelques points pour Premier ministre Jean-Henri Séyon bail détail sur une série de décisions que le gouvernement déjà prend pour le faire avancer le dossier Petro-Caribéa. Chef gouvernement dit qu'il a déjà commencé par le juge qui a géré le dossier encadrement avec les moyens nécessaires pour le faire travailler comme ça doit. Travail infrastructure et construction route yo a poursuivre dans Belader d'après vice délégué Belader travail ça yo a continué même après fête commune qui fixé pour 31 octobre cap vinila. N'a gagné pour suivre un reportage dans journal Assoya sous travail construction tronçon route Carrefour méridien du Breuil. L'autre point n'a gagné pour parler à Assoya commission économie et finance chambre députée à Chita Palais jeudi 25 octobre avec ministre économie et finance Ronald Décembre qui était gagné avec directeur général autorité portuaire nationale, directeur général douane, directeur général bureau monétisation programme avec développement BMPAD et puis direction générale impôt. État financier PIA avec budget exercice fiscal 2017-2018 PIA tenant mi-temps discussion yo. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural lancé jeudi à yon atelier travail sous programme innovation technologique dans l'agriculture et agroforesterie PITAG. Programme ça pral permettre production agricole pays à développer et puis améliorer utilisation ressources naturelles yo. Et puis dans dossier colis explosif pays États-Unis, président américain Donald Trump longe doitli et sous bay responsabilité a sous dos média yo. Zami téléspectateurs, n'a pral développer point ça yo avec en pile l'autre information dans journal Assoya, n'a pour une première pause. Bienvenue dans le développement téléjournal là. N'a pas démarré avec le premier ministre Jean-Henri Séyon qui pote quelques détails sur une série de décisions gouvernement déjà prend pour faire avancer le dossier Petro-Caribéa. Chef gouvernement dit qu'il a déjà commencé à faire encadrement avec le juge qui a géré le dossier ça et puis moyens nécessaires pour faire travail. Premier ministre Séyon dit qu'il a déjà écrit institution concernée pour demander ça au besoin sous travail à faire. Il a annoncé qu'il pourrait faire appel à juge qui a expertise dans la question crime financier pour mettre compétence pour arriver à procès Petro-Caribéa. Nous invitons à suivre un extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Mobile Télévision Nationale. En ce qui a trait à l'idée d'une commission, une commission de vérification, une commission fouille à porte, une commission qui vous permettre que tout le monde qui a des doutes sur le mécanisme gouvernement utilisé, qui a des doutes sur l'institution d'un pays qui a mené enquête sur le dossier, commission qui est capable de vérifier ce qu'a fait, communiquer avec le monde, bas information, commission que le peuple haïtien a interrogé tout. Mais ce qui est important, c'est que je me rends compte qu'il y a plein de monde qui était mal interprété la constitution, la composition de la composition. Moi, j'ai une liste non exhaustive de 16 secteurs, 16 regroupements, 16 organisations. J'ai une liste, quand je me dis, c'est des organisations qui sont réputées crédibles dans la société. C'est eux-mêmes que je vais l'adresser, je vais chiter avec eux, pour que Yo prend responsabilité créer commission ça. M'pa mandé à NMH pour la commission. M'pa mandé à l'église catholique pour la commission. M'pa mandé moun sa yo qui crédible dans la société a que nous fait confiance que yo chita que yo même yo décider sur qui moun dans la société haïtienne là qui compétent qui crédible qui a fait partie de la commission qui pour mener nous dans ça. Nous-mêmes, nous avons cherché dans le gouvernement. Nous-mêmes, nous avons cherché au niveau de l'État. Dans ça, peuple haïtien a cherché jeunes dans la rue. Les gens qui voulaient tout bon qu'on ait vérité.
qui fait sous Petro Caribé. C'est ça le pays. Je ne vais pas demander à l'organisation SAIO pour aller mêler dans la commission parce que nous connaissons, il n'y a pas gagné triture et formation pour aller faire recherche ça. Mais que vous avez choisi, le monde que vous voulez, et nous avons dit, l'indépendant, le gouvernement pas participer là-dedans, le gouvernement simplement a baillé tous les moyens qui sont nécessaires pour que la commission soit faite dans de bonnes conditions et que tout le monde à l'aise, tout le monde confiant en sa commission a bien pour le faire. Et ça, n'a pas pour nous faire nous-mêmes, c'est bail accompagnement, encadrement à toute institution ça. Par exemple, nous écrit la Cour supérieure des comptes pour demander qui besoin, quel que soit besoin lié pour le faire travail là. Nous prêts pour nous bail accompagnement. Le juge qui sous dossier, nous écrit CSPJ. Qui pour demander qui ça le besoin pour que le travail soit fait dans de bonnes conditions. Et m'a annoncé non que depuis hier nous mettons à la disposition du juge sur ce dossier en machine blindée des agents de sécurité et n'a continué tendre qui l'ont accompagnement au besoin. Il en est de même du commissaire du gouvernement. Donc nous voulons clair sur ça. Commission, son commission qui pour al garder, al fouiller, al poser question, al comprendre, al observer travail, la justice a fait travail, que la Cour de cassation a fait, pour voir est-ce que vraiment il y a un bluff dans le là ou si le gouvernement décide véritablement. Fait le jour sous question, monde qui pour punir, monde qui baille explication nécessaire. Pour y comprendre, il y a Bailey, eh bien, monde qui pour remettre l'argent, pour remettre l'argent, parce que nous ne comprenons pas ça. Bien, puis le projet nous a commencé à camper. Je ne peux pas courir dire que le projet a campé parce que le monde a volé comme là. Il faut que je pose des questions. Il faut que je connaisse ce qui est passé. En ce sens, nous avons dit non. Task force que nous faisons nous-mêmes à l'intérieur du gouvernement, parce que le gouvernement n'est pas démissionnaire, sous question ça, le gouvernement a fait travail, nous pas arrêter les bois croisés. Nous disons déjà, nous faisons une task force qui lui-même tout a cherché, compilé toutes les informations qui sont disponibles pour les gens qui veulent connaître, qui sont disponibles pour nous-mêmes tout, pour nous comprendre tout ce qui passé et qui permettent de nous poser des questions, accompagner est-ce que le projet à Campéa, c'est comme l'État qui est pour le bas ou le bas fin bas ou bien est-ce que bon problème avec une institution de l'État à ce moment-là, nous-mêmes nous prêts pour nous retirer tout goulot gain. De l'autre côté, Premier ministre Jean-Rissé fait connaître, il a abordé une série de sujets qui n'ont été républiques là, dans le Conseil ministre mercredi 24 octobre là, tant que dossier insécurité, apaisement social, causé élection qui doit être faite dans l'année 2019, et puis dossier budget, pour nous citer ça seulement. Premier ministre a expliqué, dossier Petro-Caribéa, pas fermé, j'ai gouvernement, sous l'autre problème, pays a fait face. Toujours dans le micro de Marguerite Auguste, Stack Mobile TNH là, nous évitons suivre un extrait. Gouvernement pas monopolisé sur question, mais gouvernement tout pas capable pas mettre en phase sous problème ça qui sont revendications actuelles du peuple haïtien et Kadil de sa grande majorité. Donc nous pas fermer les oreilles non, nous pas arrêter immobile. C'est pour ça nous mobiliser sous question ça tout, mais entre-temps mon Dieu, mais quand pile travail, nous faisons venir. Nous avons un mois, il y a des gens qui pensaient que nous avons 3 ans depuis nous là, nous premier ministre. En pile travail, nous avons travaillé là, aujourd'hui, hier, nous avons un conseil des ministres qui était chargé à point, notamment la question du budget, la question des élections qui doivent se faire cette année, et la question de l'insécurité. Nous avons travaillé en pile, mais une fois nous consacrer un temps particulier à ce problème ça. Pas oublier. Dans la déclaration politique générale, non. Premier point, c'était l'apaisement. Ça participe de l'apaisement. Le peuple a compris. Et lui, ouais, c'est tout bon. Nous décidons, faire procès. Sans passe pour qui? Sans protéger personne. Eh bien, nous sommes capables de rebailler la population. Sérénité que nous besoin pour nous travailler plus bien. Mais nous travaillons dans la famille. Sur la question du budget, oui, nous prenons une décision. Et ouais, ou après, je dis, le ministre des Finances n'est pas là. Parce que c'est un acteur dans la question Petro-Caribé.
ministère des Finances. Il n'est pas là, c'est parce que justement, il y a une invitation dans le Parlement sur la question budget. Nous travaillons en pile sur le budget, à la primature, dans tous les ministères, nous travaillons sur le budget, parce que pas oublier, le budget la conforme à ça qui est dans la déclaration de politique générale. Non. Les trois points, les trois grands axes, qui découlaient des axes, des sept axes du président de la République, par nous, résumés dans trois grands axes. L'apaisement social, la création d'emplois, et la relance de l'économie nationale, surtout la relance de l'agriculture. Travail infrastructure construction routière a poursuivi dans Belader. D'après vice-délégué à travail ça a poursuivi même après fête commune fin passé, fête ça qui fixé pour 31 octobre cap venir là. Stéphanie Charles, Wilson Idoré pour un compte rendu. Asphaltage route, infrastructure routière, bétonnage, c'est parmi diverses réalisations caravane changement dans la commune Belader, quelques jours avant célébration 70e anniversaire commune ça. Vice-délégué commune nan, Joachim Ivanovski, fait connaître travail presque fini pour fête là. Li invite touristes ak moun nan population an pour venir fêter dans tête posée. De 1948 à 2018, c'est son excellence Jovenel Moïse qui offrit tout avantage ça à la commune de Belader. Donc le nous avons gardé tout édifice à préparer et hydroélectrique à préparer, de l'eau à dîner pas prendre ça en charge. Belader en réalité li en chantier. Donc c'est pour me dire que tout le monde vraiment yo pas gain mot pour exprimer et contentement yo, et c'est ça qui fait gain pile là-dedans yo qui te dit comme yo connaît que il y a beaucoup plus facile pour que moi-même moi prendre la parole. Le m'a prendre la parole retirer chapeau vice-délégué à me parler dans nom toute communauté beladéroise là pour me capable dire combien que yo coubé au bien bas devant président et tout le monde yo dit que yo prêt pour yo prouver le 31 l'heure que président vini pour l'accueillir depuis l'entrée ville là. Député commune nan Gershon Guerrard remercie président République là Jovenel Moïse qui d'après lui-même gagne volonté pour mettre pays en chantier dans quatre missions li gagne pour ville frontalière yo gagne un autre visage. C'est dernière touche qu'a fait travail a continué au contraire nous profiter pour nous remercier et gouvernement président où elle nous commence à recevoir asphalte et c'est première fois que nous-mêmes, génération Panouan, avons gardé à recevoir asphalte dans la ville de Belader qui sorti bon côté l'État haïtien. Mais qu'on a avec vision, président Jovenel, côté se mettre pays en chantier et où elle, ces dernières touches qu'a fait là, c'est asphalte qui va commencer à poser dans Belader pour que effectivement, gens, tout le monde te senti. Et ça qui est étonnant, c'est dans si bout de temps que quand ce travail ça a commencé à faire. Nous disons grâce à la volonté président Jovenel, lui-même qui te promet et depuis la campagne électorale que la ville frontalière nous faut qu'il y ait un autre visage. Et vous capable de constater, il a commencé dans Wanamet, nous dans Belader, il a pour le traverser sur un sapit, le travail a continué. Président Jovenel dit, et 30 octobre, Belader a toujours un chantier. Après la prochaine chantier jusqu'à ce que l'arrivée projeté 20 images que lui-même lui voulait 22 villes frontalières. Autorité dans la commune nan assure travail reconstruction route yon dans la commune Belader a continué pour permettre Belader respirer en l'autre l'air grâce à caravane changement. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural lancé jeudi 25 octobre là, yon atelier travail sous programme innovation technologique dans agriculture et agroforesterie. Programme ça pral permettre production agricole pays à développer et puis aider dans améliorer utilisation ressources naturelles yo. Banque Interaméricaine Développement BID, programme mondial pour agriculture et sécurité alimentaire et puis Fonds international développement agriculture FIDA, c'est ensemble organisation qui finance programme SILA. Yo extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Michel Joseph. Cette initiative, faut-il le rappeler, est un programme exécuté par le ministère de l'Agriculture avec les appuis financiers de la Banque interaméricaine de développement, BID, pour un montant de 55 millions de dollars américains. Le programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, GAFSP,
a contribué à hauteur de 10 millions de dollars américains. Et le Fonds international de développement agricole, FIDA, pour 10,8 millions de dollars pour une période de 5 ans. Il vise de manière spécifique à accroître la productivité agricole et à améliorer l'utilisation des ressources naturelles grâce à la génération et au transfert de technologies agricoles et agroforestières durables. Je suis heureux que ce programme est en adéquation avec les orientations stratégiques du MAG pour la période 2017-2022, portant entre autres sur l'amélioration des conditions de maîtrise de l'eau. Dans le double perspective de protection des ressources naturelles et de rentabilité pour les producteurs. La tenue du présent atelier vient après nommer dans la mesure où il permettra aux principales parties prenantes de mieux s'approprier les objectifs, les résultats attendus, puis d'affiner les éléments de stratégie du programme. Je souhaite que les échanges soient fructueux et contribuent à améliorer la mise en œuvre du programme. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier auxquels les autorités du ministère de l'Agriculture souhaitent plein succès. Chambre commerce, Femmes entrepreneurs d'Haïti, mettez bout jeudi 25 octobre 2018 là à deuxième édition Forum économique Femmes haïtiennes qui était démarré mercredi 24 octobre là. Femmes motet relance économique d'Haïti, c'est un baptême ça, deux journées réflexion y ont déroulé avec participation yon quinzaine conférenciers, diverses femmes qui sorti dans quatre coins pays et puis partenaires internationaux. Rachel Saint-Fort, Frisnel Toussaint. Rad, collier, sandal, valise, brousse, barrette, zanou, crémasse. C'est parmi divers produits qui étaient exposés dans l'occasion de la deuxième édition Forum économique Femmes haïtiennes. Selon l'organisateur, ce qui était plus important pour vous, Anissa, c'est garder rôle, participation femme dans l'économie pays. Activité ça c'est occasion pour femmes qui te fait déplacement brasser l'idée sous divers sujets qu'il y a qu'économie tant qu'ça fait mode procédé exportation leadership féminin sport et je dis nous gain actuellement là un panel qu'a fait sous le sport rôle du sport comment sport là capable fait que capable relancer économie. Après nous pral gain une présentation pour femmes qui dans business et qui t'a remé exporter à l'étranger donc yo pral parler de procédure pour que on monde qui produit en Haïti qui veut exporter donc vraiment c'est des sujets qui varient selon agenda que nous-mêmes nous t'ai préparé pour moun yo. Nous tous gagnons panel qui a fait sous la mode haïtienne est en pleine expansion. Lui-même c'est un panel côté parce que pas oublier ici en Haïti et surtout dans la chambre de commerce nous gagnons en pile mesdames qui dans secteur mode là. Donc il était très important pour que yo te connait exactement qui bon nous est aujourd'hui et qui bon nous pour aller dans peut-être 5 à 10 ans. Défendre intérêt femmes professionnelles qui fait business. C'est mission responsable chambre commerce femmes entre prenait by tête yo dans sens ça yo fait qu'on est à continuer travail chita ak partner yo institution financière pour permettre femme yo gain accès à crédit. Nous continuons à faire plaidoyer hein. D'ailleurs nous t'ai parlé de ça hier matin dans ouverture forum là, c'est que c'est un plaidoyer que chambre n'a fait pour que nous capable dans qui mesure l'état haïtien capable créer un fonds de financement de l'entrepreneuriat féminin. Fond ça vraiment et c'est un fonds qui pourra permettre que mesdames yo gen accès à crédit, mesdames yo gen accès à financement pour projet d'entreprise innovant que yo gagnent parce que nous connaît ici en général on dit pour tout le monde qui fait business ni femme ni garçon comment difficile pour yo gen accès à crédit mais pour femme yo c'est encore beaucoup plus difficile. Du coup
nous abgoumés pour nous voir comment yo capable créer fonds ça. Responsable lui expliquer a fait formation, ben accompagnement technique à diverses formes dans différents départements pays a. Côté au montrer au gérer une entreprise, monter un plan d'affaires pour aider aux jeunes crédit financement. Président CCFEH là Daniela Jacques fait qu'on est toute forme tout côté dans pays a doit gain accès à même formation, information à opportunité. Après poursuivre avec le travail construction route Carrefour Méridien pour arriver du Breuil, Cap-Bossé, travail ça pour permettre moun cap fréquenter zone ça rale yon souffle d'après quelques citoyens dans communauté ça. Yon compte rendu Louis-Nel Jean-Louis avec Laurent Darly Jean-Jacques. En pile gouvernement passé par monsieur ouais si que nous gen problème route. Finalement, nous comptons pour le gouvernement ça monter qui ouais nécessité nous ici. N'a dit président merci de ce que il pense à nous même malgré te gen pile parole qui t'a parlé, il pas accepté. Il te dit que ça pas fait. C'est comme ça que divers citoyens qui vivent dans la commune Tobek et spécialement dans la localité Bewo expriment satisfaction pour le travail de reconstruction de son route qui relie Carrefour Méridien avec Dibrela. Quelques citoyens ça expliquent la situation difficile de compte dans la route là, là ils ont besoin de régler l'activité. Moi-même, profession c'est taxi, c'est ça me fait, c'est dans la rue que je travaille. Depuis que j'ai une route, je me sens mal à l'aise parce que si j'ai une route, j'ai un courant, je ne peux pas limiter mon lait pour travailler. Mais si toutefois que j'ai un fait noir, même si j'ai route, si j'ai fait noir, je suis capable de faire sortir, mais si je viens de une lumière et puis j'ai une route, je dis que je travaille, n'importe quel lait, je décide de prendre la ria. Puis nous remercions le gouvernement Jovenel Séan pour si grand activité ça qu'il mettait comme caravane changement. Nous-mêmes dans le bureau, nous jouons ni river sous nous. Je dis merci et je suis encouragé pour être capable de faire plus encore. Nous avons de tout, il faudrait qu'il y ait un canal qui fait sur route là. Et si pas un canal, nous restons travaillés pas tellement en forme. D'abord nous-mêmes ici. Et d'autant plus, sur route Chantal dans Carrefour Bewo. Donc dans les zones ça a ouvert plus pour avoir une belle liberté. Donc une fois qu'ils ont un point pour faire là, l'autre a fait, tout le monde a allé en forme. L'autre fini, nous demandons que pour toujours continuer à arriver du Breuil. Environ 6 km déjà asphaltés dans la route là d'après Gilles Pierre, une responsable chantier ça qui fait qu'on est. Technicien ont mobilisé la journée ou la nuit pour aboutir à la construction de son route ça. Actuellement là, deux Carrefour Méridien, c'est avec un zéro lié, côté de là, nous venons dans 6 km. Et demain, si Dieu veut, il faut arriver tout côté de ma travail là, avec Aspat là. Avec obligé à ce moment de travailler d'arrache-pied pour terminer. Et Carrefour là. Si je dis que 4 mois, 6 mois, c'est péché. Parce que avant là, nous faisons des portes 10 jours pas de travail à cause de la pluie. Vous voyez, il y a un preuve du vol, ça me dit bien. Alors qu'il n'y a pas capable de dire combien de jours et de combien de mois qu'il a fini. Mais on a travaillé d'arrache-pied. Et si vous montez plus haut là, c'est pour moi que j'ai matériel, j'ai l'eau, j'ai un camion, j'ai fait des boussaillages et j'ai fait des blés en même temps. Objectif nous, il faut que ça finit. Tonson route, Carrefour Méridien d'Ibrela mesure 23 km longueur, à 14 mètres largeur et puis 8 mètres asphalte largeur. Merci Louis-Nel Jean-Louis et Laurent Darly Jean-Jacques. Nous prenons une deuxième pause. Nous allons donner à ces informations. Ou même étudiant haïtien qui a étudié dans Saint-Domingue ou qui voulait aller Saint-Domingue. Ma fait ou connaît que gagne une université dans Port-au-Prince, dans Tabar, c'est l'université INUCA. Université INUCA. Université ça a gagne un gros campus, même jean à toute université dans grand pays. Li gen partenariat avec plusieurs universités en France et au Canada. Li ba ou possibilité pour aller dans grand pays sa yo, pour approfondir études ou parce que li déjà permet tout obtenir une formation depuis en Haïti, qui ba ou yon référence internationale. Et un certificat de mérite. Donc, vous pas besoin de dépenser au paquet l'argent pour étudier Saint-Domingue. Étudier dans l'université INUCA dans le pays où et vous êtes capable de joindre travail en Haïti et à l'étranger sans difficulté. Université INUCA, Chita dans Tabar, dans Port-au-Prince, dans la zone ambassade américaine. Numéro lycée 2941-0106, 2941-8289. Pas oublier, c'est l'université INUCA qui va opportunité ça. C'est l'université INUCA qui va opportunité ça. Chérie,
Chan travail dur. Je pense que nous avons acheté Beltikay ça, oui. Beltikay. Nous avons l'école, nous avons payé l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là? Pas courir dit ça. On va parler avec EIC. EIC a pu bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion de problème. EIC est flexi-cash. Li aide au fait économie pour qu'on joue l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans EIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un problème de l'acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de te faire madame avec toute famille. Te faire madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans EIC, nous portons des solutions pour tout assurer. Prends une bonne décision. Relève EIC dans 28 12 63 0 jours. EIC, c'est moins ce problème, plus solution. EIC à faire. Commission économie ak finance chambre député a chita pale jeudi 25 octobre là ak ministre économie ak finance lan Ronald Décembre qui te gen ak li directeur général autorité portuaire nationale, directeur général douane, directeur général bureau monétisation programme aide ak développement BMPAD ak direction générale impôt. État financier pays a ak budget exercice fiscal 2017-2018 là te nan mitan discussion yo, d'après vice-président commission économie chambre député a Louis Romel Bogé. Le extrait dans micro Fedner confident avec Michel Joseph. Les attentes des ministres financiers, surtout avec dépréciation de la goud là, donc nous connaissons que aujourd'hui un dollar presque à 74 goud, et donc demain nous va connaître et dans un mois encore nous va connaître que ce dollar ça va pas arriver à 80 goud. Donc c'est là point d'interrogation pas noté, donc nous tapons ces questions des ministres en ce sens. Mais nous cap dit que situation les gens ministres expliquent là, les contingents difficiles. Par exemple, le déficit, je dis en là, nous voyons que ça gagne, et nous avons dit, l'un des rencontrés ministres qui était avant là, c'est qui était ministre Salomon, et il a dit que le déficit était à 9 milliards, je dis en, nous voyons que nous presque à 18 milliards, à 20 milliards de gouttes. Donc c'est vraiment catastrophique pour le pays, donc c'est en ce sens que nous avons regardé qui mesure que ministre qu'apprend pour le cas corriger situation ça. Redresser la barre, c'est avec le premier bagage pour nous garder, c'est les dépenses parce que nous garder que Banque Centrale, les mêmes depuis et facture, il y a beaucoup de parler, j'ai ministre qui pas garder là, c'est honorer, c'est courir avec facture ça, pour les dépenses pour nous garder, pour nous pas permettre que en pile dépenses ça, pour arriver encore et sous nous là, garder pour nous qui en cas baisser question déficit ça. Le ministre de l'économie et de la finance, Ronald Décembre, expliquait l'état financier pays difficile. Le ministre a encouragé tout le monde à payer un impôt. Confident Fedner, Michel Joseph, pour un extrait. Il faut tout le monde d'accord pour que nous mettions l'engagement nécessaire, nous engagions pour que cette recette-là reflète le potentiel fiscal. Le potentiel fiscal. Parce que ce n'est pas souvent que cette-là reflète le potentiel fiscal. Donc ça, c'est ça que je dis nous. Maintenant, l'autre choix que l'on a, c'est de réduire les dépenses. Mais réduire les dépenses. Le ministre des Finances est dans une situation très délicate dans cette situation. Dans une situation très délicate dans ce cas de figure. Réduire les dépenses veut dire quoi? L'institution qui croit, qui regarde son budget et qui voit les crédits inscrits dans son budget, mais cette institution croit que ces crédits sont déjà des fonds acquis. Et ce sont des fonds. Pour cette institution, ce sont des fonds, c'est de l'argent. Alors que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Si c'était le cas, on ne se serait pas retrouvé dans la situation de ce déficit assez monstrueux, c'est un déficit très monstrueux. Moi-même, c'est la première fois que j'ai vu dans l'histoire de ce pays ce niveau de déficit.
première fois. Par exemple, un niveau de physique comme ça, qui déficit de finances qui est aux alentours de 24 milliards, de 26 milliards, c'est la première fois que j'ai vu ça. Et vous voyez ce qui se passe. On est à un taux, on a un décrochage du taux de change. On est à un décrochage du taux de change aux alentours de 72-73. Lorsque j'ai été installé, je l'avais dit, le taux était de 70, lorsque j'ai pris fonction, ce taux-là était de 70 gouttes pour un dollar. Et j'avais vite compris que ça aurait dû être déjà à plus que 70. Pourquoi est-ce que ça ne l'a pas été? C'est parce que justement, parmi les flux, flux dépenses qui fait dur, dans flux dépenses l'argent qui décaissé, dans flux, parce que nous sommes flux, dans flux l'argent qui décaissé, nous avons tout qui est une bonne partie qui pourquoi injecter dans l'économie. Une bonne partie qui beaucoup injecté dans l'économie. Parce que si on est injecté, eh bien, il y en a encore. En tout cas, c'est la situation comme nous demandons. Nous demandons une bonne situation. Nous demandons une bonne situation et exécution budget. Une bonne situation exécution budget 17-18 là. Député circonscription Chansol, Joseph Fils fait connaître, c'est pas seulement dans l'agent Petro-Caribéa qui gagne corruption. Il y a un problème dans la gestion de l'agent coopérative, dossier série RH là. Faut que le pays a profité dossier enquête Petro-Caribéa pour faire enquête sur l'autre dossier ça yo. Dans le micro Fedner Confident avec Michel Joseph, la pote précision. Chargé confusion dans le dossier ça. Nous plus pour un route Khartoum Bombay que nous pour un route pour un procès équitable. Un procès qui est capable de respecter les droits de tout le monde. Un procès, et pas parce que nous avons un problème avec la justice, pour ne pas respecter par notre cercle, reconnaître les droits gagnés, les droits que la Constitution a consacrés à chaque citoyen. Surtout à ça qui a déjà servi le pays en bon bout de temps. Et nous remarquons qu'il y a plus de confusion. Disons seule institution m'a fait remarquer dans le pays, les gens de Kassa pour faire procès, il relève le ministère de la Justice, la présidence. Chaque citoyen dans le pays a conséquent qui occupe en fonction, gagne pour devoir et pour droit renforcer la justice afin que nous soyons capables de déboucher sur un procès équitable. Nous ne devons pas oublier que nous sommes une nation qui doit jouer une force, qui doit prendre force dans l'unité, dans la paix, dans le respect des droits de chacun. Il y a des dossiers qui dans la rue qui sont beaucoup plus criminels que le dossier de Petro-Caribe. Nous citons un exemple, puis devant nous ne parlons pas de Petro-Coopérative. C'est tout ça, on mettait sous table. Et puis font procès en bonne et due forme pour le pays. Tout le monde en renforce la justice, en nous fait pas faire démagogie, en nous quitter la justice travail. Tout le monde qui guillon pas que la constitution, la loi Bayo, dans tel dossier, qui fait travail afin que. Pour tout bail ça a fini, puis devant pour nous gagner la paix, pour pays à prendre route développement. Et nous pas besoin d'accuser ni l'un ni l'autre, nous pas besoin d'accuser la présidence, etc. Que nous font dans l'exigence qui déjà bailli. Ça me connaît. La justice est maître et seigneur dans tout pays qui dit développer. N'importe qui a besoin, n'importe l'aile, mais dit le mettez à sa disposition. Nous pas besoin ni faire sacrifice à gauche, ni en faire pile démagogie, ni exiger trop. Eh bien, c'est ça, mais pour nous mettre en pratique afin que nous soyons capables de conduire le pays à son bon procès. Directeur Office Assurance et Accident Travail, Maladie et Maternité au Fatma, Dr Agabus Joseph, remet ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor Kader, 4004 assurances. Cérémonie distribution ça qui déroule jeudi 25 octobre là dans ministère rentré dans le cadre d'exécution feuille de route chef l'État Jovenel Moïse by directeur général au Fatma pour chaque employé dans l'État bénéficier yon 4 protections sociales. Directeur général au Fatma Agabus Joseph expliqué plus loin il a continué à démarcher pour aider tout employé dans fonction publique là rive joindre santé. Le extrait dans micro Sainte-Croix à qui à Henri Robert Chéri. Initiative ça que n'a
présenté jodia, c'est depuis là que ministre n'en rivé dans tête éducation nationale et moi-même dans tête au Fatma que n'a travaille sous dossier ça pour nous voir comment nous t'a appliqué feuille de route que président Banon qui c'est protection sociale pour tout employé et professeur l'école. Donc journée aujourd'hui nous arrivés avec environ 4004. Donc rete l'autre département pour nous toucher encore, mais faut nous dire que c'est un bagaille qui que président tient à lui en pile et trois entités ça yo fait partie de priorité président. C'est professeur l'école, policier et professionnel de la santé. Donc trois PSAO, c'est chaque jour président a demandé comment n'a pas avancé avec yo. Donc c'est peut-être ça nous t'es déployé tout effort nous pour que nous t'es produit 4 SAO qui ca permettre que professeur quel que soit côté ou sous territoire national là que y a bien accès à soins de santé. Mais il était encore un pile effort pour nous faire pour nous améliorer qualité de soins. Nous connaissons que situation pas facile et difficile en pile, mais selon instruction que gouvernement Moïse ban nous, nous avons obligation pour nous améliorer soins de santé que citoyens, que professeurs nous yo, que tout employé l'État yo et population en général à recevoir dans le pays. Sous Bopal, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, là, Pierre Josué Agenor Kader, remercie le directeur général OFATMA pour 4004 assurances SAYO, lui permettre l'école, professeur l'école et personnel cap travail dans l'école publique qui bénéficier. De l'autre côté, Pierre Josué Agenor Kader explique qu'il y a 5 départements qui se centrent, l'Ouest, Nord, Nord-Est et NIP qui ont déjà bénéficié 4 protections sociales. Pierre Josué Agenor Kader dans micro Sainte-Croix Paki à Henri Robert Chéri. Nous avons un pays côté tout le monde admet li grille salariale là bas en pile. Pendant que l'administration Moïse Seyan a travaillé pour être comment capable repenser grille salariale là, nous pensons que li urgent et important pour nous capable compenser faiblesse grille salariale ça par aux mesures de protection sociale. Et dans la semaine ça, dans le dernier conseil des ministres, président PIA, Jovenel Moïse, lui posait problème protection sociale. Pas seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour tout PIA, pour tout employé de l'État et même reste PIA tout. Parce que les protections sociales dans le pays, eh bien, il y a un bon genre d'apaisement social. C'est dans ce sens ça tout, nous avons salué gros effort au FATMA fait. Qui a un dynamisme qui a développé en dedans et qui mettait tête ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, qui joue une grosse revendication dans tout syndicat ici, tout syndicat enseignant, qui toujours a posé problème de protection sociale pour tout enseignant. Je dis à la, en dépit de tout effort fait déjà, en pile 4 déjà bail, mais je dis à 4000 nouvelles 4 assurances et côté tout pour renforcer les services d'assurance dans tout l'hôpital qui l'a. Ou bien centre santé pour recevoir eh bien monde qui gagne 4 ça dans même. Donc c'est dans ce sens ça dans nos ministères éducation nationale dans nos tout gouvernement n'a dit on chaille félicitations à OFATMA qui active le travail là. Mais faut que nous dit tout aujourd'hui à la nous admettre gain 5 départements qui couvrent totalement avec service assurance là. Gain 5 autres départements qui pas encore gagne là yo ou bien qui gagne de manière très faible. Et aujourd'hui, nous prenons engagement, ministère de l'Éducation nationale, avec tout OFATMA,
rapidement dans le mois de novembre là pour nous toucher tous les 5 départements qui peuvent gagner lieu. Et dans un arrêté présidentiel qui portait date jeudi 25 octobre 2018 là, dans le journal officiel Le Moniteur, citoyen Yvon Bonhomme, nommé directeur général ministère haïtien Cap Vive l'autre bord de l'Oyo Mavé, lui remplacé dans poste Yolette Mengual. Madame, monsieur, nous prenons une dernière pause dans le téléjournal à Soya. À l'étranger, la Cour d'appel dans la ville Paris, pays la France, confirmé jeudi 25 octobre, la renvoi devant tribunal correctionnel ancien président français Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy apparaît devant tribunal là dans affaire Big Malion. N'absuive. Ancien président français Nicolas Sarkozy apparaît devant tribunal correctionnel dans dossier Big Malion. Et une décision ancien chef l'État français a contesté devant la Cour cassation. Jean Sadoué fait poursuivre réquisition au paquet général là, chambre instruction enregistrée, recours Nicolas Sarkozy contre une décision qui te prend depuis 2 années. Paquet a te bail l'ordre pour voyer Nicolas Sarkozy dans procès pour financement campagne électorale l'année 2012 là, une élection qui était perdue en face François Hollande. Nicolas Sarkozy accusé comme quoi il a utilisé plus de 20 millions d'euros pour dépenses campagne présidentielle li, tandis que la loi française a fixé à 22,5 millions d'euros. Et un gros parti dépense là, environ 16 millions d'euros, t'a déplacé pour parti la diriger, Union Mouvement Populaire UMP. Transaction sa yo te réalisé grâce à un système informatique côté faux montant enregistré sous l'ordre organisateur meeting ancien candidat agence communication Big Malion. Employé Big Malion ou soit responsable campagne interpellé tout dans quatre affaires ça pour complicité, escroquerie, usage faux ou soit encore habit confiance. Mais accusation ça yo pas concerné ancien chef l'État pour qu'on y a cherché qu'on est si ancien candidat était au courant montage ça ou soit est-ce qu'elle t'a encouragé là. Dans le dossier colis explosif pays États-Unis, président américain Donald Trump longe douette sous responsabilité média. FBI bon côté pal révélé mercredi 24 octobre là 5 dans 8 colis suspects envoyé semblé et puis ont gagné même adresse expédite. Au total, depuis lundi, une douzaine de colis suspectés voyés par plusieurs politiciens démocrates et diverses personnalités gauche américaines. Dernier en date là, c'est acteur américain Robert De Niro et ancien vice-président démocrate là, Joe Biden. Attaque n'a pas fait aucune victime, mais au fait dans la période campagne élection législative 6 novembre. Président américain Donald Trump qui n'a campagne dans le cadre élection législative, longe droit sous responsabilité média qui a alimenté débat politique là. Aucune arrestation pas annoncée, mais Bureau fédéral d'investigation FBI révélé mercredi 24 octobre là 5 dans 8 colis suspects semblé et puis ont même adresse là sur yo tant que colis élite démocrate là Debbie Wasserman Schultz qui lui-même était visé avec un colis piégé. Premier ministre Jean-Henri Séan bail détail sur une série décisions gouvernement déjà prend pour faire avancer dossier Petro-Caribéa. Chef gouvernement dit déjà commencé bail juge cap gérer dossier ça encadrement avec moyens nécessaires pour faire travail comme ça doit. Travail infrastructure à construction route yo a poursuivre dans Belader d'après vice-délégué Belader travail ça yo a continuer même après fête commune là qui prévoit pour 31 octobre cap vini là. Nous te suivions reportage dans journal ça sous travail construction tronçon route Carrefour méridien du Bois cap fait dans cadre caravane changement dans sud pays. Commission économie et finance chambre député a chita parlé jeudi 25 octobre avec ministre économie et finance Ronald Décembre qui était gagné avec le directeur général autorité portuaire nationale.
directeur général douane, directeur général bureau monétisation, programme aide et développement BMPAD, et puis directeur général impôt, état financier PIA avec budget exercice fiscal 2017-2018 là, tenant mitan discussion yo. L'autre point de développer, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, lancé jeudi à yon atelier travail sous programme innovation technologique dans agriculture ak agroforesterie, programme nan pote non PITAG, programme sa pral permettre production agricole pays à développer et puis aider nan améliorer utilisation ressources naturelles yo. L'autre bord de l'eau, nan dossier colis explosif pays États-Unis, président américain Donald Trump longe douetli sous responsabilité média yo. C'est là nous mettons un bout avec Téléjournal Assoya. Merci à vous-même qui t'app suivre. Merci à tout le monde qui rend journal ça possible. Merci à Xal Nouvelle là, à direction production. Nous souhaitons tout le monde passer une très bonne soirée en compagnie télévision nationale d'Haïti chaîne 8.